Yo yo yo, vêtements de la semaine et beaucoup de choses cette semaine. Il y a du choix pour tout le monde en plus. Ça fait plaisir. Rockstar nous gâte. On a été en galère ces derniers temps, mais là, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. On va faire ça vite, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, donc ne perdons pas de temps et commençons avec les vêtements décontractés. Car cette semaine, la veste d'intérieur vert pastel que voici est à récupérer simplement en vous connectant. Facile, connectez-vous et elle est pour vous. Article fréquent dans GTA Online, quatrième apparition de cette veste après 2016, 2017 et 2022. Et on reste dans les hauts avec les blousons courts. La marque Sprunk est à l'honneur cette semaine sur GTA Online. Et le Teddy tant attendu Sprunk est enfin disponible sur GTA. Pour avoir la veste Teddy Sprunk, il faudra terminer une vente de motards. La bœuf, la mette, la coque, les faux billets ou les faux papiers. Terminez l'une de ces 5 ventes et la veste Teddy Sprunk sera pour vous. Et pour finir avec les hauts, et comme la semaine dernière dans les hauts spéciaux et logos de fabricants, il est toujours disponible pour les retardataires, le t-shirt Karine. Si vous ne l'avez pas pris la semaine dernière, eh bien allez sur le site Southern San Andreas et achetez le véhicule Karine Bauer et ce t-shirt sera pour vous. À côté du véhicule, un petit logo de vêtements symbolise ce t-shirt. Ça, c'est vraiment pour les retardataires et c'est tout pour les hauts. Mais restons dans ce magasin et allons voir du côté des casquettes à l'endroit ou à l'envers. Car en plus de la veste Teddy, vous avez la casquette Sprunk qui est à récupérer cette semaine. Pour récupérer la casquette, il faudra, être membre d'une organisation. Demandez à un ami de vous inviter dans un club de PDG ou de motards et cette casquette sera pour vous. Elle peut avoir un peu de mal à pop, si tel est le cas, répétez l'opération 2-3 fois. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes pour récupérer cet article. Et on finit donc avec Emunation, car deux jolis cadeaux encore une fois chez Emunation pour le 20 avril. C'est la journée de la weed, je crois, ou de la... c'est un truc comme ça, il me semble. Le 20 avril, c'est la journée de la bœuf. Et donc cette semaine, vous avez un joli cadeau pour les personnes qui ne l'avaient pas récupéré. Un article très populaire du jeu, hein. Ça on m'en a parlé vraiment souvent. Je sais qu'il est attendu à chaque fois ce sac de parachute. Et il fait son retour, donc le sac harnais planeur est de retour pour la troisième fois sur GTA. Après 2014 et 2021, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Il faudra quand même faire la démarche de venir le chercher chez Emunation. Disponible gratuitement chez Emunation. Si vous vous connectez mais que vous ne le prenez pas, il va disparaître. Donc faites l'effort de venir le chercher. Et il y en a un deuxième. Celui-ci apparaît pour la première fois sur GTA, le sac harnais Sprunk. Et donc pareil, faites l'effort de venir chez Emunation pour le récupérer gratuitement. Donc voilà, une belle semaine sur GTA et je trouve que mon perso a plutôt de la gueule comme ça. Il est plutôt stylé, j'aime bien la petite veste ouverte avec le défi élite. Bref, je raconte un peu trop ma vie. C'est tout pour cette semaine. Bis bis, ciao ciao.